Galactus. Aujourd'hui, nous allons frémir d'angoisse face à un titre horrifique en 2D comme on en a rarement vu. Il s'agit de Night Slashers. C'est un jeu d'arcade sorti en 1993 au Japon. Il a été développé et édité par Data East. C'est un beat'em all ultra violent. Je dirais même que c'est le beat 2D le plus violent sorti en arcade à ce jour. Dans ce titre, le cyborg Jack White, le chasseur de vampires Christopher Smith et la combattante Zhao Honghua vont s'opposer au roi Zarutz et son armée démoniaque. Le roi Zarutz souhaite faire de la Terre le nouveau royaume des morts. Jouable à 2 ou à 3 joueurs selon le modèle de borne utilisé, Night Slasher faisait vraiment très fort, que ce soit par son gameplay ou son ambiance. Le jeu vous permet de courir, de faire des super attaques au sol et en l'air, de charger des coups spéciaux, etc., etc. Le soft va vous balancer à la gueule tout ce qu'on peut trouver dans les films d'horreur des années 90. Zombies, loups-garous, esprits, etc., etc. On a aussi le droit à des guests comme la créature de Frankenstein, un golem, un savant fou, un vampire. Non, vraiment, tout y passe. Le bestiaire est vraiment très complet. Lorsque vous tuez vos ennemis, ils déverseront sur le sol tout ce qui peut sortir d'un corps humain. Sang, tripes, organes vitaux, vous aurez le droit à la totale. Comme vous vous en doutez, la version occidentale a été censurée. Le sang est devenu vert et il y a quelques détails visuels qui ont été modifiés. Graphiquement, Night Slashers est vraiment beau. Les ennemis sont détaillés et le swap color ne dérange pas du tout. Les décors sont classiques mais efficaces. On notera certaines transparences étranges sur certains éléments du jeu. Je ne sais pas si c'est pareil sur la vraie PCB. L'animation est assez impressionnante pour l'époque. Les ennemis bougent vraiment bien. Leurs morts sont vraiment folles. Nos héros bougent de façon plus classique, mais en somme donnent quelque chose de vraiment étonnant à l'écran. La musique et les bruitages sont top et servent parfaitement l'action. La jouabilité est parfaite, mais le gameplay et le level design sont faits pour vous mettre la pression. Personnellement, j'adore, mais certaines personnes trouveront par exemple que les points de vie sont donnés trop tard ou que le super coup met trop de temps à charger. Du coup, en voyant cette vidéo, vous dites qu'on est en face d'un chef-d'œuvre et qu'on ne pourra pas faire mieux dans le style. Ah merde, j'ai oublié de lancer la version de Night Slasher que Bob m'avait conseillé. Attendez, on va voir ça. Night Slasher Cross Wild Ash m'a calmé à vie. C'est tout simplement l'un des meilleurs beats que j'ai pu tester. C'est une version PC faite par des fans qui envoient à la benne la version originale. Cette fois-ci, vous avez des sauvegardes pour venir à bout de l'aventure. Le jeu est très long, les cadavres restent au sol. Il est possible d'y jouer à 4, il y a plusieurs chemins possibles. Les combos sont magnifiques, il y a énormément de petits plus qui renforcent l'ambiance. Cerise sur le gâteau, il est possible de jouer avec Ash de Evil Dead. Ils ont utilisé comme base Jimmy de Rage of the Dragon et l'ont retravaillé pour qu'il ressemble à Ash. J'ai trouvé Night Slashers PC aussi fun que la version de Ninja Warriors Again sur PS4, c'est vous dire. Du coup, je vous conseille vivement de jouer à Night Slasher Cross Wild Ash sur PC. Vous allez passer un moment inoubliable. Sur ce, je retourne casser du zombie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.